Bonjour, c'est Agi, on se retrouve sur Pokémon pour un gameplay d'un de mes Pokémon préférés, par ailleurs, Dracaufeu, un Pokémon de type puissance qu'on va prendre tout de suite. Et un Pokémon rival, on va mettre Suicune, Pokémon de type standard. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il y a beaucoup de Pokémon de type standard, mais qui manquent incroyablement de ressources. Donc on va voir si c'est le cas de Suicune, je sais plus si je l'avais déjà mis. On va prendre Evoli, augmentation de PV puis d'attaque, hein. Ça pourrait être intéressant pour Dracaufeu qui joue sur la puissance d'attaque. Et lui, on va lui mettre. Bah tiens, Yveltal et Latios, hein. C'est pas, on prend n'importe, on s'en fiche. Type spécial bien entendu pour la méga évolution. Et la zone de terrain, on va prendre Escavaren Land, une espèce de parc d'attraction. Ça peut être beau, hein, ça peut rendre plutôt pas mal. Let's go. Dracaufeu contre Suicune. Yeah. Et tu vas voir que Dracaufeu, c'est un Pokémon qui tape vraiment dans le lard, hein. On va voir ce qu'il vaut en combat contre Suicune. Bats-toi, Dracaufeu. Ouais. Oh, plutôt stylé celui-là dans le jeu. Et on va prendre Evoli. Let's go. On va voir toujours si on a des projectiles. Pokémon imposant en plus, hein. Oui, il a des petits projectiles qui sont un peu lents. Mais Suicune en a aussi. Ça joue sur l'eau. Ok. Voilà. Voilà, déjà j'appuie sur A. C'est un espèce de contre, hein. Tu peux voir, il jette des flammes. On peut voler, faire des grosses attaques. Et il prend très très cher le Suicune, hein. Il prend très très cher. Regarde-moi ça, c'est vraiment un Pokémon de points. Voilà. Méga évolution. Aïe 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 aïe. On va le tenter. On va voir si ça passe. Vas-y, vole. Et oui, ça passe. Yeah, le flamme bleu de l'enfer. Tu meurs. Le combat a pas duré longtemps. Dracaufeu l'a complètement explosé. Comme j'avais dit dans l'épisode précédent que c'est un des Pokémon les plus abusés du jeu. C'est pas pour rien. Allez, c'est parti, on va essayer de varier un petit peu au niveau des attaques. Sauf que voilà, je suis extrêmement lent. On voit, pour arriver à lui, j'ai un peu du mal. Donc c'est à dire, si je joue un peu sur la portée, je suis un peu en mode galère. Ok, point. Une grosse charge dans la gueule. Voilà, tiens. Et on continue. Ça s'arrête pas, le combo. Je sais pas ce qui s'est passé, on a reçu des dégâts, je crois que je me suis auto-tapé. Petit grab. Yeah. Et prends ça. Petit coup de vent, Evoli. Aide-moi à augmenter ma puissance d'attaque, même si j'en ai assez. Là, tu sais ce que j'ai fait? J'ai juste appuyé sur Y, il a chargé sur lui. Et l'attaque s'est transformée en contre tout seul, donc le Suicune, il a rien vu arriver. Et il en est mort. C'est du total abus. Ok. Oh. Ah, ça par contre, faut que je fasse gaffe parce que je perds des PV, hein. Donc ça doit être extrêmement puissant sur sa gueule. Je vais essayer de lui mettre. Ouais, voilà. C'est assez puissant. Méga évolution. Juste. Là, franchement, ça se voit terriblement. C'est la lenteur de Dracaufeu. Mais sinon, pas d'autres points faibles apparents, hein. Les attaques aériennes. Des attaques terriennes qui enchaînent très très bien. Ferme ta gueule. Voilà. Pour finir, ça va faire mal. C'est très très beau. Oh oh. Presque fini, dommage. Tiens, t'envoies des projectiles, mode tapette. Pokémon debout, hein. Je peux le dire, tu peux augmenter l'attaque, hein, quand tu augmentes au niveau des compétences. Voilà, rien à foutre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de lance-flamme ici qui est au corps à corps. Voilà, ça l'a brûlé, ça l'a paralysé. Voilà, regarde, ça le bloque. Et après, je peux enchaîner. Je peux enchaîner. C'est n'importe quoi, Dracaufeu. C'est n'importe quoi. C'est vraiment la vue, le truc. Aïe. Suicune qui fait pas super mal. Hop, méga évolution. On va pas faire la super attaque, hein. On va rester à faire des attaques normales. On prend une flamme bleue dans la tronche, encore une fois. Et le grab en l'air. Wouh wouh wouh. Frappe à classe. Yeah. Tiens. Bien joué. Allez, non, elle est pas dans les herbes. Allez, voilà, il est sur terre. Donc voilà, des attaques aériennes aussi. Si jamais un Pokémon saute beaucoup. On va prendre Evoli. Bon, franchement, le niveau il est pas là. Tu prendrais le feu. Il l'éclate tranquillement en mode rien à foutre. On vole jusqu'à lui. Et en combo. What the? Petit lance-flamme. Vas-y, approche. Tu veux pas? En plus, je recule. C'est-à-dire, si le Pokémon s'approche de moi, bah, je peux lui mettre un coup comme ça. Moi, je m'en bats les steaks, hein. Doucement.
Doucement, Sukrit. Ah, c'est le moment où tu te réveilles, hein. Tiens. Le grab. Pourquoi pas. Evoli, j'ai besoin de toi. La méga évolution. Comme ça, on se régénère des PV. Aïe, 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 aïe. Charge si tu veux. Et on enchaîne. Tiens. Et tiens. Voilà, coup de queue. Flamme bleue. Et on lui crache dessus. What the? Ta gueule. Joli contre. On a déjà fini? Bon bah la vidéo aura pas duré longtemps, hein. Dracaufeu, t'as été trop vite. T'as vraiment été trop vite. Donc voilà, franchement, bah là j'ai plus rien à dire, hein. Je crois que j'ai tout dit pendant le match. Vraiment un gros bourrin qui fait super mal. C'est de l'abus total, des bons enchaînements, des projectiles, bon, qui vont pas très très loin mais qui vont corps à corps, qui paralysent pour qu'on puisse continuer nos combos, des attaques où ça finit en compte, c'est-à-dire que le Pokémon, même s'il attaque, et ben on a rien à foutre, voilà. Du coup, tu donneras aussi ton avis par commentaire, et puis j'en ai rendez-vous pour une prochaine vidéo de gameplay sur Pokémon Tournament. Sur ce, porte-toi bien, et à la prochaine, salut.